Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre, c'est agréable de se dire qu'on est un lundi matin, que c'est férié et que je vais faire mumuse. Vous voyez, j'ai même mis une coiffe au pif pour faire mon foufou. Et je sais plus, j'étais dans une gare de triage. Et j'avais la paire royale, normalement j'avais liquidé tout le monde, je crois. En général, je vous quitte sur un succès dans Far Cry 2. Oh. Ouais, non, j'ai... Je ne sais déjà plus, je suis perdu. Comment je consulte mon manuel, moi, je sais plus. J'avais pas mis une touche. J'étais forcé de faire échappe comme ça. Ah, se rendre là où... ouais, résistance, trouver quelqu'un peut me fournir des médicaments, ouais. Non, c'est pas comme ça. Non plus. La 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 la, je vais y arriver. Je ne... Oh merde. C'est pas ce que je voulais faire. Je ne perds pas espoir. C'est comme ça, oui, c'est vrai. Le point levé, la résistance, je pense que c'est à Pala. Faudrait que je regagne Pala, en fait. Mais... Oh, j'ai des oiseaux devant chez moi, ma fenêtre, là, qui font le zouk. Ils émettent un bazar, c'est pas croyable. Oui, bah je me bats en camion, moi. Voilà. Allez, le nouveau train, c'est moi, chouchou. Je sais même pas comment je fais ça. Attends. Comment je fais ça? Coucou. Bonjour, Tuncel. Attends, j'ai l'air débile. Il démonte. Ah oui, j'allais dire, il démonte mon camion, j'arrive même plus à descendre du. Mon beau camion. Bonjour Devil Olive. Ouais c'est ça. Paris Dakar. Eh hey, tu me mets dans le doute Devil Olive. J'espère que vous allez tous bien. Mais tu me mets dans le doute parce que je crois que j'ai acheté un Paris Dakar sur PS2 qu'il faudra que je vous fasse. La voiture elle va exploser là, non? Elle est dans les flammes. Je vais retourner sur la route. Ouais, j'ai souvenir d'avoir testé un Paris-Dakar sur PS2 il y a un an de ça. Et c'était pas de la tarte du tout.
Ah, il y a du monde. Ah oui, c'est la touche là. Attends, je peux pas monter sur mon... Mais si que je peux. Ouais. Si je veux passer par là, ça va être sport. Il aurait fallu que je me barre par là. Ah, oh, je peux leur faire leur fête, non? Ah merde, il y a un... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un snipe là-haut. Ah. Oh la vache. Ouais, il m'avait repéré, je crois. Il m'avait repéré. Non, je l'ai pas eu. Putain, tu m'es... Attends, c'est un tonneau, ça? C'est un tonneau. Wow. On peut rien faire ici. Quelle merde. Oh merde, quelle tape. J'ai pu voir quelqu'un courir. Ah oui. Oh merde. Oh, bien vu lui. Oh putain de merde. Bon, le temps que ça bouge, j'ai le temps de réparer mon camion. Il y a un stock de munitions qui a pété. Wow, ça démarre fort ce matin. Tant que c'est pas le jour du Seigneur. Ça aussi, il faudra que je le fasse quand tu parles de jour du Seigneur. J'avais promis de faire une intro de Minecraft depuis l'église qu'a bâti Nashevman. Et en mettant délibérément en effet écho. Histoire de faire une messe improvisée en intro. Un jour je le ferai, c'est obligé. Attends, je vais me soigner parce que... Ah, ça a bien flambé. Bah, c'est tout bête, mais je pense que j'aurais débusqué tout le monde. Ouais, y'a plus grand monde, là. Y'a plus grand monde. Je pense que je m'en sors très bien. Oh vache, il y a encore des trucs qui pètent. Oh oh! Faut que je fasse gaffe. Ah ah ah! Ça flambe encore. Ça flambe encore. Oh là là! Oui, c'est ça que je voulais, moi. Ah bah, c'est du tout, oui.
Je présume qu'il n'y a même plus de réserve. Il n'y a même plus de munitions en fait. Enfin, je pense. Alors, j'ai fait un strike au niveau des explosifs. Un truc de fou. Donc, la suite de la route. Attends, vas-y voir que je m'avance un peu. Voilà, hors raffinerie. Ah oui, il va y avoir un coin chaud. Alors, mon but est de retourner dans la capitale, pas là au centre de la carte, pour retrouver des médocs contre la malaria. Parce que là, j'ai plus de médocs. Si j'ai une crise de malaria, je suis dans la merde. C'est bien ce que je me disais. C'était un peu ambitieux de ma part. Mais je me suis trop annoncé. Hop là, ça me suffit. Oh, tout va t'exploser. J'ai l'impression que je traîne un truc sous le châssis là. Je trouve que le camion n'avance pas aussi vite que d'habitude. Merde. Tellement drôle quand il y a des explosifs à faire cramer, mais là j'en ai pas vu. C'est dommage. Ah, faut que je fasse gaffe aux munitions, j'espère qu'ils en ont. Parce que là je suis à sec. Enfin, j'arrive à sec. Avec un peu de chance, il y avait personne d'autre. Je dis bien avec un peu de chance. Ah oui, c'est là où précédemment j'avais fait un super incendie. La mémoire me revient. Ah
Est-ce que j'avais noté sur la carte le... Merde. Hein, je suis pas sûr. Enfin, je sais même pas si je peux me le noter en fait. Non, je crois pas. Je crois pas. Dommage. Chez le border. Là, il y avait quoi? Ah, c'est encore une trousse à pharmacie. Ouais. Mais non, pas ça. Faudrait que j'aille un petit peu à la chasse au diamant aujourd'hui aussi. Histoire de... De me refaire un rendement au niveau des... Oh, il y a une station de bus, qu'est-ce que je fais? Mais les bus permettent pas d'aller dans la capitale, si. Oh. Je crois pas. Mais il est chiant, lui. Oh. Du coup, ça va flamber. J'étais en train de réfléchir pour ma destination. Et d'ailleurs, je peux sauvegarder. Ah, oh, je sais pas quelle décision prendre. Parce que si je dézoome. Ah, il y a peut-être une route qui va me permettre de... C'est peut-être bon que je fasse demi-tour en fait. Mais que je passe par un autre endroit. Donc j'essaye de passer par... Bah non, mais c'est la montagne, je peux pas. Attends. La montagne. Mais oui, je peux pas, c'est de la. Il n'y a pas. Si, je peux faire de la route entre. Mais non. Non, non, il faut vraiment éviter de se barrer hors des sentiers et des routes parce que. C'est quasiment mission impossible. Donc, ma théorie ne tient pas. Écoute, faudrait que j'aille par là-bas. Chose impossible normalement. Ouais, et là je suis parti pour me planter. Oh, en camion, ça va être sport. Là, effectivement, je te rejoins des villes olives. Je vais faire Paris-Dakar. Sentier, c'est vraiment dangereux. Ouais, j'ai une plombe par là-haut. Normalement, j'ai déverrouillé. Je dis bien normalement. Je vais finir par planter le camion. Qu'est-ce que je vois là-bas? Bizarre. Pas de pote. Je peux avoir un coéquipier mercenaire, mais là, que puic. Que puic. L'idée de reprendre le jour m'arrangerait, mais la malaria, elle va progresser dans mon organisme, donc danger. Danger, danger.
c'est une fausse bonne idée en fait. Ah, c'est un panneau de direction que je vois, d'accord. J'étais en train de me dire. DJ Ugly, I am welcome. You love Far Cry 2 and why not? Oh, il y a une patrouille. Oh oh. Ha, le zèbre qui se barre. Ah, c'est ça un zèbre. Wow. Je cherche les ennuis. No, no, not first time. No, 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 no. Three, I think. Sorry, my English is. My English is in a poor quality because I'm French. No, I know two ends, two endings in this game, and for the third time, I leave the choice in the future, of course. I leave the choice for my viewers with the shekel. Oula. Quoi? Oh merde. Cette blague. Landscape, what? Yeah, yeah, yeah. Oh, nice shoot. Yeah. Ouais, thank you. Tempo harmony. Oui, my objective is go
épouse Kaja. Enfin, the town in the middle of the map. Because I'm ill, malaria, and I need to search new pills. Ouais, pas là. Ouais, j'avais oublié, c'était pas là. Il y a vraiment rien ? Ouais, c'est bizarre. Aïe ! On va m'aider. Oh merde, il y a une patrouille. Voilà. Gare, vite. Alors. Oh merde. Attends. Non. Youhou. C'était quoi ce bordel? Ça va bientôt péter. Calme-toi. On sait pas ce qui s'est passé. Tu m'étonnes. Je crois qu'il a vu le mec, non? Ou pas? Merde, trop tôt. Oh, ça va être l'aube. Bizarre. Oh vache. Bing. Ah, le panneau fait suer. Ah. Je vais laisser le camion là en attendant. Mmh.
Merde. Oula, il se passe un truc là-bas. J'ai plus de balles. Oh la vache. Malin lui. Mais non! Ah. Aïe 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 aïe. Bon bah tant pis pour le camion. Ah j'en ai plus. Ouais non, ouais, ça va pas. Ça marche pas mon truc. Non, c'est pas un tonneau, ça, si. Non. Non. Ah merde, il passe pas par là où je pensais. Sérieux?
Ah, j'ai pas de tonneau d'explosifs, merdoum. Oui, on est d'accord, c'est pas par là. Mais les gars, c'est des clowns, quoi. Ouais, visiblement. Ils sont pas très malins. Merde, j'ai plus de balles, dommage. Alors, il y arrive ou... Mais ils sont vraiment mauvais. Bonjour Fanfan, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, c'est cool. Bizarre, j'ai des patrouilles, c'est trop bizarre ce qui se passe. Je pense que je peux le cramer, il me verra même pas arriver. Non mais le gars, il est trop bête, quoi. Il est vraiment trop bête, le gars. Et la patrouille n'a même pas été alertée. Je vais bien leur barrer le chemin. Ouais, au niveau du panneau. Là, ils seront pas prêts de passer. Visiblement, je les ai tous eus. Ça a été un tel bazar. Oh là là, le boxon. Ouais, il n'y a pas de...
Ah, merveilleux. J'ai même pas besoin de soins. J'ai tellement bien mené mon assaut qu'ils m'ont même pas tiré dessus. La classe quand même. Bon, alors. C'est pas ça, mais je suis encore loin du... de la capitale, moi. Oh là là, le prochain point de contrôle qui est un truc de rivière. Alors attends, j'ai quoi du coup? Ah, ça me manquait qu'il ne puisse avoir de fusil de snipe. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Je suis peut-être obligé de me rabattre sur des flingues de fortune des ennemis, ce qui est pas fiable en fait. C'est pas cool. Ah, ça c'est pas les bonnes munitions pour moi. Il m'aurait fallu les autres à boîte verte fermée. Visiblement. Oh, ils n'en ont pas. Il y a une patrouille par ici? Non. On l'a entendu, mais je l'ai pas vu. Wow. Bon, bref. Je vais devoir abandonner mon fusil de snipe un certain temps. Dommage. Ah, oh, ça, ça vaut le coup. Ça, c'est quoi? Il n'inspire pas confiance, son flingue. Je préfère encore l'autre. Celui-là m'a l'air d'être mieux. Bah, on fait avec ce qu'on a. Ouf. Ah! J'avais la porte qui était... La portière qui était ballante. Oui, je vais déjà... pas là. Enfin, même plus à prononcer le nom de la petite ville centrale. Oh, il y a du diamant en plus. Quelle surprise. Oh là là. Alors, j'avais bien vu sur ma carte qu'il y avait une habitation, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel comité d'accueil. Et surtout, il y a du diamant. Donc ça me plaît beaucoup. On va le run d'une visite un peu musclée. Je sais même plus si j'ai... Non, j'ai plus de grenades, j'ai plus rien. Ah bah c'est ça qu'il me fallait moi pour le snipe. Ah. Merde, ils m'ont repéré. Ah, c'est dommage que j'ai plus le fusil de snipe. Mmh.
quoi il joue? Attends, j'ai envie de la tenter, je suis fou. J'ai alerté toute la cavalcade. Forcément. Je me blesse, mais je suis toujours en vie. Sympa. Non, je peux pas prendre sa grenade? Oh, deg. Là, je trouve que le jeu manque de réalisme. Je devrais être en droit de réquisitionner la grenade de l'adversaire. Oh vache. On aurait pu faire un gros boom. Non, ils ont pas de trousse de soins? Ah oui, il y a la mallette de diamant, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Faudrait que j'y aille. Oh, encore que non, la carcasse va suffire, ouais. Encore que... Alors, comment je fais pour monter sur... Ah, c'est pas Alan Crane, hein, de Dying Light. Je peux pas feinter. J'essaye de feinter. Ah, oh de Dieu. Hop là, ouais, voilà. En diamant. Oh. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé une belle mallette à 3 diamants. Il manque que le jeu devienne généreux. Je pourrais presque revenir sur mes pas et reprendre mon fusil de snipe, mais je sais pas si c'est possible. Oui, donc les véhicules étaient pétés, je les ai réparés, c'est ça? Je suis pas si loin que ça, hein. À vérifier, on va voir. Je vais y aller à pied, je vais prendre le risque. Est-ce que les gars sont toujours considérés comme morts? J'ai l'impression que non. Attends, j'arrive pas à voir avec la nuit noire. Ah, c'est dit, le carnage est toujours là. Donc je peux reprendre mon fusil de snipe de qualité. Merde, il y a du monde là-bas.
Et je devrais pouvoir faire ma recharge dans le point de contrôle que j'ai libéré, en fait. Parce que passer une certaine distance, ça se décharge de mémoire, en fait. Les Gigus seraient revenus et je l'aurais eu dans le baba. C'est ça le souci. Donc, si je fais ça... Ah bah magnifique, je redeviens sniper. Ah là, c'était bien les boîtes vertes qu'il me fallait. Bon, il me manque la pharmacie, grenade et molotov, mais bon... De passage dans une armurerie, je serai sauvé. Donc, suite du périple. Alors là, le prochain poste de contrôle va être musclé. Oh là, j'ai ma portière qui part en... J'ai ma portière qui déclare son indépendance. C'était sûr. Quoique je pourrais presque... Allons-y, je suis prêt. Amuse-toi éventuellement avec Wisebot, Funfan. Je sais pas s'il répond présent, si le cœur t'en dit. Hein. Tente ta chance. Je pense que j'arrêterai à 14h et je te ferai relais de chaîne chez Aerostar. Enfin, si la faim m'a pas rattrapé depuis... Bah oui, mon sniper, forcément. Là, il y a un sniper dans ce genre de base. Donc mon assaut Rambo peut pas prendre. Mon assaut Rambo... Oh non. Mon assaut Rambo, il est pas beau. Joueur, pas sûr. Évidemment, il y a le petit chemin pour le snipe. Oh, plus que pour le. Ah bah c'est lui qui m'a eu en fait. C'est vrai que dans la nuit, j'ai du mal à me repérer, là, je suis perdu. Où est parti ? T'es quelque part par ici. Je me pose la même question. T'es passé par là ! Tu vas mourir ! Ah merde ! J'avais pas vu qu'ils étaient là ! La nuit noire m'aide pas, hein ? Ouï, ouï, ouï ! Tiens, je vais boire un coup, j'ai soif. Il est en grande forme pour ce week-end du 1er mai, notre Wisebot. Il est en grande, grande forme. Tu l'as vu la dernière fois. Voilà.
Bon, on espère que les flammes n'atteignent pas le camion. Ah. Je me sens mieux, hein, dès que j'ai mes balles de snipe. Je me sens beaucoup mieux. C'est du tout cuit. Violence. Ah, oh, vue imprenable. Pas l'impression qu'il y ait grand monde. Ça a bougé par là-bas ou... Elle est sympa la musique, hein. C'est moi ou Wisebot t'incite à faire des clips? C'est rigolo. Ouais. Il vient bêtement le... Enfin bêtement. Le pont. Non bah ils sont morts. Hein. Je pense que je peux y aller tranquille. Pas de diamant? Non, ça s'excite pas au niveau du radar. Ah, cool. Je dis oui. Je dis oui, 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 oui. Chère la vie. Je dis oui, 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 oui. Da 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 ti do. Le bordel, le bordel, une palette dans la rivière. Pollution. Pollution, trou fignon. Papa pa yipopo, yapa yapapi. Yapa yapo. Ta tijata. Bon bah c'est bien, je vais pouvoir aller à Pala au peinard. Mais je veux y aller en camion. Où est mon camion? Avec la portière cassée. C'est le camion à la portière cassée. Oye, oye. Voilà, j'ai un droit de passage. Merci, messieurs. Oh, 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 oh. Oh, ça, ça veut dire qu'il y a une mallette sous le pont. Il y a une mallette sous le pont. Et comme par hasard, il y a un chemin. Enfin, des chemins. Oh. Elle est où, la tunasse? Attends. Wow. Attends, sous le pont, sous le pont Attends. Non, dans la rivière? Eh, hey, il y a des trucs dans la rivière. Attendez, il y a quelque chose. Je continue sur le sentier, quitte à faire un peu de nage de nuit dans la rivière crasseuse. Mais on dit pas non au diamant. Mais il est pas devin non plus, fan. Pardon de te le dire, Fun Fan, mais ta question était plutôt saugrenue.
Ah, mais c'est un point de contrôle maritime, en fait. Attends. Elle est où, cette mallette? Alors, je sais pas pourquoi, mais je pressens que la mallette va me donner du fil à retordre. Non, mais elle est littéralement sous le pont, quoi. Donc, je vais remonter au sentier. Attends. Elle est bien planquée, celle-là. Finalement, j'aurais pas dû aller faire trempette, me mouiller, mais bon. Ce qui est fait, est fait. Il est trop fort, ce Wise Boot. Il est trop fort. D'ailleurs, je dois admettre que suite aux recommandations de cuisson de... Ah ouais, c'est là. Aux recommandations de cuisson de Wise Boot de mes croque-monsieur, je les ai savourées hier soir. Ils étaient bien bons. Effectivement. C'est mieux à... Ah, 3 diamants, c'est cool, mais la malaria est en train de me faire bobo. ...180 au lieu de 200, j'ai apprécié, quoi. Ah, je crois qu'il faille sauter dans la rivière. Magnifique. Attends, le sentier est pas là? Oh là là. La question que sont tes persos favoris dans les deux jeux. Excellent. Bon, bah, suite de l'aventure. L'aventure, chez l'aventure. Allez, joue. Je veux mes médocs contre la malaria. Ouais. Oh la vache. Il y a encore de la route à faire. Oula, je sais pas pourquoi je dois devenir beaucoup plus clair ma carte. C'est bizarre. Oula, ça va vite. Ouais. Oh, j'aurais plus de points de contrôle jusqu'à la capitale, ce serait génial. Pas là, c'est par là-bas, ils disent. Oh merde. Bonjour Christella. Attends, excuse-moi. Ah! J'essaie de contrôler un... Mais non, mais c'est pas par là que je veux aller. J'essaie de maîtriser mon camion et en plus je me plante d'intersection. Le mec, il a tout faux, quoi. Comme disait Deville Olive ce matin, Paris-Dakar, là, c'est... Allez, là, je sais pas pourquoi, la carte a disparu. Enfin, bon, on roulait à 50 et puis il y a cessé le feu, normalement. Il y a le cessé le feu... Alors, où vais-je garer mon gros camion? Je vais garer là mon gros camion. Et il faut que je négocie pour la malaria. J'ai plus de médoc. Je perds ma perruque. Comment ça? Oh mon dieu! Et ça va bien, merci, et toi? Ah là là. Oui, alors, sois pas surpris, hein, Christella. J'ai lancé FunFan dans la suite de ses échanges avec Westbot, la longue correspondance. Je sens qu'avec ton accord, FunFan, je vais faire des copier-coller parce que c'est intéressant. Et on va les compiler, éventuellement les archiver. Ça va bien aussi, c'est cool. Tes filles aussi, je pense à Cannelle et Noisette. En espérant qu'elles aillent bien. Ah, il doit faire bon, enfin bon, peut-être déjà chaud de ton côté, Christella. Moi, il fait... Oh, moi, j'ai un temps crémeux au niveau nuage.
Mais c'est sympa quoi, c'est agréable. Ça change un peu de la flotte, alors vive la flotte, puisqu'on en manque. Mais c'est bien, j'avais de la flotte pendant toute une semaine là sur Nancy. Oh, les chutes de Goka. Les chutes de Goka. Alors, malaria. Ah, c'est à l'opposé. C'est à l'opposé. Non, mais je range mes flingues. C'est à l'église, je crois, contre la malaria. Le... Salut, gars. Ah. Normalement, c'est l'homme d'église qui offre les médocs. Oui, mon père. Votre malaria vous perturbe. Oui. Nous n'avons aucun médicament pour le moment. Merde. Adressez-vous à mon ami à moins d'un kilomètre au sud du bidonville de Mokuba. Il est croque-mort. Vous trouverez ça sur votre carte. On ne peut rien refuser à une âme pure, mais ce sont les bonnes actions qui témoignent de la pureté de l'âme. Faites passer ces visas et vous gagnerez vos médicaments. Ouais, que certains puissent s'échapper du pays. Soyez prudent, le coin est plutôt dangereux. Ouais, je sais. Et je me souvenais plus que l'homme d'église gérait les... Que le prêtre gérait le... On va dire le curé. Monsieur le curé gérait les médocs et les passeports pour ceux qui voulaient s'exiler du pays en guerre. Alors attends. C'est à l'autre bout du pays. Je suis pas prêt d'avoir mes médocs. Ah merde. D'ailleurs, je vais leur laisser mon camion. Surtout qu'il commençait à prendre pas mal de balles, donc il était un peu cassé. Et s'il y a une bagnole, J'aimerais bien, les gars. Ah, il y a un bus. Ah, si, il y a un bus dans la capitale. Je ne me souvenais plus. Ah, bah, je vais trichoter, là. Je vais prendre le bus. Oh, tant qu'à faire. Ah bah voilà, il faut cliquer sur la bonne carte. Je veux aller... Oui, je veux aller là. Oui. Oui, s'il vous plaît. Je veux y aller en bus, s'il vous plaît. Un bus. Je suis déjeuné. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a, papote? Il fait bon et gris, elles ont les pattes toutes trempées. Ah, eh bien. Ah là 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 là. Oh là là, ça bavarde bien entre vous deux. Quoi? Protect Generals? Hein? Oula, et il y a des bugs, hein. On voit que c'est en cours de développement, l'intelligence artificielle de Westbot. Oui, tu réfléchis à une question. Bah, il fait station météo, il donne des conseils culinaires, et il donne des astuces aux jeux vidéo. Ça, c'est déjà, c'est vérifié. Moi, franchement, respect, Westbot à devenir un compagnon extra de jeu, là. Ah là 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 là. Alors. Oh, le beau jour se lève. Oh, il y a des diamants tout proches. Non. Non. Ah. Non, dans la baraque à bus. Ah, j'entends le bip bip bip. Sur la baraque à bus. En même temps, j'ai échappé à une patrouille. Oh, tout simplement. Deux diamants. Cool. J'ai échappé à une patrouille en même temps. Les gars, ils m'auraient vu, ils m'auraient buté. De toute façon, on repasseront, donc... Oh, attendez, on va rire.
J'ai ce qu'il faut pour rire. Faut rigoler, faut rigoler. Voilà. Ils vont adorer la farce. J'aimerais garder le véhicule là. Attends. Voilà. Ça, le véhicule ne va pas péter. Je vais me planquer là. On va attendre que la patrouille revienne et boum. Ah bah tiens, les voilà. Ils vont rien comprendre. Renversant, hein. C'est d'une efficacité redoutable. Non, oh bah ils avaient rien d'intéressant sur eux, les Mickey. Eh, pas mal la chemise. Il y a quelque chose. Goût vestimentaire, je valide. Moi j'aime bien. Doula doudi, doula douda. Oh oui, pas de bol. Bonjour Bastos. Comment que ça va? Oh oui, alors là je suis navré pour toi, Christella. Ah oui, c'est une sacrée question. Je comprends pourquoi il s'est mis en grève. Ouf, vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Samuel Etienne, il a fait une nouvelle polémique. Il a voulu parler du sexisme sur les jeux vidéo, mais il a invité aucune femme. Ah ouais, c'est maladroit là. Ah ouais. Parce que pour ce qui est du sexisme et s'en prendre plein la tronche, évidemment, les dames, vaut mieux les inviter. Elles ont beaucoup de choses à dire. Enfin, pour celles qui acceptent de témoigner. Il va y avoir du grabuge par ici. Oh, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. J'ai pas du tout fait cette zone moi. Ah oui, Mokuba. C'est un beau village, Mokuba. Faudra qu'on y aille. À Mokuba. Alors. Non, il y a personne. C'est pas possible. Sur ma carte, il a indiqué que c'est un poste de contrôle. Spectre de ma tête. Attends. Quoi? Pourquoi il y a de la fumée là-bas? C'est, ça correspond au... Ah, j'ai une planque à déverrouiller, dis donc. Attends, je vais laisser la bagnole là. Ah, la malaria fait suer. Non, la malaria fait suer. Au secours, j'ai une crise de malaria. Ah oui, je vois le mec là-haut. Là, je peux la tenter. Je peux peut-être même me le faire là. C'est horrible, mais je vais me le faire à la machette. Salut mon gars. Adieu mon gars. Très discret. Efficace, poignardé. C'est horrible, mais ça marche. Ah. Mais si tu veux bien, fan, tu sais que j'ai mon logiciel là que j'utilise de Chatty qui sauvegarde tous vos échanges dans le chat. Et si tu veux bien, à partir d'hier où on a commencé des échanges très pertinents avec Westbot, je serais intéressé de les compiler, tu sais, dans un fichier texte souvenir pour garder une archive des... On verrait éventuellement la l'évolution. Il y en aura sûrement une, mois après mois, au niveau de la pertinence de ces réponses.
Et ce serait cool de... Ouais, t'es d'accord. Et je te partagerai bien évidemment le document. Mais c'est intéressant. C'est ce genre de sujet d'études d'informatique, tu vois, j'aime bien. Alors, intéressant avec Wisebot, s'il n'est pas sollicité pendant une semaine, il peut tenir longtemps si tu le sollicites 24 heures. Après, il tient pas très longtemps. Ouais, bah ouais, oui, bah moi, comme je diffuse tous les week-ends, voilà, le samedi, c'est la fête avec Wisebot. Mais c'est super agréable de temps en temps d'échanger avec l'IA. Mais moi, je te dis, hein, fan, chez toi, sur ton chat, Wisebot, je vais lui demander des conseils de jeux vidéo. Hein. Quand t'es bloqué, ça va être le guide en second. Je te le dis tout de suite. Je vais me faire une joie de poser le problème et hâte d'admirer la soluce qu'il proposera. Parce que le coup de... Essaye de jouer avec les wagonnets pour ralentir le robot tueur dans la mine, j'ai adoré sa réponse. C'est juste trop fort. Bon, allez. C'est bien, je réquisitionne une planque supplémentaire. J'avance bien dans le jeu, j'ai un bon rythme. C'est cool. Ouais, m'en parle pas, Funfun. Mais il parle d'une possible super canicule en août-septembre. Les scientifiques sont alertes là-dessus. C'est à craindre. Si on a une super canicule, moi et vous, je le crains. Mais surtout moi, vous savez que je tiens pas la chaleur. Je vais crever. Et derrière, à échelle mondiale, bah, il y a la famine et le fait qu'on respire plus de l'air, donc les plus fragiles, cuic. C'est épouvantable. Et on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que ça n'arrive pas. Au niveau des probabilités, prier pour ceux qui sont croyants. Enfin bon, bref. Si j'y vais en bagnole, je vais me faire défoncer, ça, point de contrôle. Ah, attends, c'est peut-être pas là. Attends. Si, c'était là. Voilà, il faut que je fasse 1 mètre de plus et là, ils arrivent. Ça va, je m'en sors bien. Merde, il y en a un autre. Oh, les deux alignés, dis donc. C'est-il pas beau? C'est très très beau. Bah alors, oh, faut pas casser des jeeps. Fini, oui. Mécano. Merde, attends, je vais reculer. On va réparer les jolies voitures. Je suis mécanicien, mes heures perdues. Qui vous le dit, moi? Réparation. Ah. Oui, t'as vu, je te fais la pub et en même temps un peu un Morlock et vieux jeu. Parce que c'était tellement sympa comme échange. Je sais plus. Il est au courant de ton interview, Raskar Kapak? Parce qu'il en revenait pas quand tu affirmais que t'allais être interviewé par lui. Et je sais plus si on a passé le mot à Raskar Kapak. Moi, je vannais en disant j'ai hâte d'avoir ton interview par Barack Obama lui-même. Bien sûr que j'ai vu, je l'ai vécu. Ah là là. Ah, ils ont fait leur popote. Oh! Quelqu'un était de corvée de pommes de terre. Miam! Et dire que dans la semaine à venir, je vais être de corvée de pommes de terre, mais avec grand plaisir. Je vais me refaire, avec la température qui monte, là, je vais me refaire une salade de hareng pommes de terre. J'adore ça!
Ah non, j'ai pas fait attention, Funfan, pardon. Bah je regarderai cet après-midi quand tu seras sur quand tu seras avec Aerostar sur du RE5. Je me prendrai quelques minutes pour faire le point. Ah mais c'est un buggy. Pour faire le point sur les messages que vous m'avez envoyés. Parce que j'ai eu pas mal de lectures hier soir à ma grande surprise. Et d'ailleurs c'est assez vicieux. Enfin vicieux. C'est pas le bon terme, mais ces gymnastiques particulières dont je suis en train de prendre conscience, c'est penser, comme j'ai pas une super mémoire, penser à faire le tour des correspondances que j'ai avec chacun d'entre vous régulièrement, parce que parfois j'oublie que je dois vous répondre. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas à me relancer. Si, comme un idiot, vous vous rendez compte que moi, j'ai oublié que je devais vous répondre un truc ou je sais pas quoi, n'hésitez surtout pas à me relancer en disant « Eh oh, t'as oublié ça !» Et je me ferai une joie de vous répondre dès que je pourrai. Ah, alors, on va continuer l'aventure. Oh, même si le buggy est marrant, je garde celui avec la mitraille parce qu'il va y avoir... Ah merde. Il va y avoir du sport. Oh, merde, il est déjà là. Comment ça, tu l'as? Prétentieux. Il a bousillé mon véhicule. Oh... Donc je le répare maintenant. Aïe aïe aïe. Alors. Oui, succession de virages dangereux. D'accord. Effectivement, c'est assez sport. Afrique, adieu, belle Africa. Vas-y voir que j'y aille au snipe. Oh, ils m'ont vu, ils courent déjà comme des lapins. Ils courent déjà comme des lapins. Oh, il doit y avoir du diamant dans le coin, non? Bizarre. Ah. Merde! Évidemment, mon snipe qui se coince, c'est tellement drôle. Bon là, ils sont un peu bêtes. C'est presque dommage que dans le jeu, ils auraient dû penser l'animation se coucher dans l'herbe. À plat ventre. Et là, ça aurait été beaucoup plus dur. C'est dommage qu'ils n'y aient pas pensé à l'époque. Parce que ça aurait donné un degré de réalisme vachement plus... Avec pas grand-chose. Un degré de réalisme vachement plus élevé. Parce que là, courir bêtement... voilà, façon Rambo, ils sont morts, quoi. Ah ah ah, ça clignote diamant. Ouais mais ça doit être dans la baraque. Ah non. C'est pas dans la baraque. Ah, c'est par là-bas qu'il y a un truc. Ah, mais c'est une planque. Comment ça, stop? C'est une planque de fortune faite en bric-à-brac. Hein, c'est énorme ça. Un petit diamant cadeau. Oh, je crois que j'ai échappé à une patrouille en même temps. J'ai eu du bol. Ah oui, ils sont là. Je crois qu'ils m'ont pas vu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, il pèse. Donc ils reviendront. Donc je peux poser une farce. Qui j'appelle une bombe. Aïe. Ah, la malaria qui...
Ouais, on va mettre au niveau du... Voilà. J'en connais qui vont sauter de joie. Bonjour Dragon Sky, comment que ça va? J'en connais un qui va sauter de joie. Birli bibi, birli bibi, booba. Allez. On va s'offrir ce beau spectacle. Attendons que les nigauds reviennent. Donc c'est bien, là j'ai le repère visuel de la petite barrière et du petit arbuste. Enfin, on peut même dire que c'est un arbre maintenant, vu sa taille. Et dès qu'ils reviennent, paf. Ah, eh bah tiens, ils reviennent vite, dis donc. Et boum. Hop là, je leur barre la route. Je leur barre la route. Oh, petit buggy. Un petit buggy. J'ai pas le droit d'entrer. Oh, il y a des tombes. Alors ça va, non? Cellule de la résistance débloquée, bah ben, ouais. Allez, je t'achève. Il y a des tombes. Oh merde. Il n'y a pas de diamant ici, on est d'accord. Ah, je peux pas rentrer par là. Alors, nanana. Ah, ouais. Ah oui, mais oui, que je suis bête. Le curé m'avait dit que c'est le croque-mort. Tu m'étonnes qu'il connaît le curé. Fait là dehors. Merci. T'as les passeports. Nos amis à l'arrière seront ravis de te voir. Plus près, vous êtes le bienvenu. Vous êtes malade. On va vous aider, on a des médicaments. Est-ce que vous avez les papiers? Mais oui. C'est pour les petits qu'on fait tout ça. À la grâce de Dieu. Ah, merci mec. C'est apprécié. Ah, c'est très apprécié. Merci, merci les gars. Vraiment. Ah bah c'est réciproque et vous me sauvez la peau. Ah cool, je vais pouvoir tenir à carreau la malaria pendant une semaine au moins. Avec ce nouveau comprimé plein. C'est cool. Y a une planque à déverrouiller, mais elle est en... Elle est en amont. Elle est par là-bas. Je vais y aller à pied, hein, je peux. Je peux le faire. Ah, c'est bien fait, hein. On peut passer à pied, mais certainement pas en bagnole. Et là, il y a une planque toute proche. Non, pas toute proche. J'ai encore à sprinter un peu là. Aux abords du désert. C'est beau l'Afrique. C'est joli. Alors c'est marrant quand on regarde juste la partie désertique. Non mais c'est un phacochère que je vois. Ah non, c'est un... D'accord. Un buff. Ah, des buffs. Eh bien, quand je regarde la partie désertique, j'ai l'impression, bon, à part végétation, vous savez mon jeu dans la planète Crafter, là, sur la planète à terraformer. Ça fait l'effet là. La vache, il y en a des buffles. Eh, je suis à sacrée haute altitude, ils ont l'air ridicules les buffles, à cette distance. Mais du coup, la planque, elle est où? Elle est pas le long de la montagne, si.
Oh, je vise une mallette de diamants, dis donc. Ah bah voilà. Wow, ça fait plaisir. Ah, il y avait un mercenaire qui s'est fait avoir en beauté. Il se serait fait abattre par le chacal, que ça m'étonnerait pas. C'est quoi là-bas? Ah, c'est un végétal. Non, la planque est en contrebas? Je vois rien. Ah si, il y a un truc là-bas. Ben voilà. Hop là. On va se laisser glisser. Alors, il y a du monde. Normalement, oui. Mais là, je les vois pas, les Mickey. Ils sont où? Ils sont où les Mickey? Ils sont pas de corvée de pommes de terre? Bah, vous êtes où les gars? Mais où est-ce qu'ils... Ah merde, il y en a un là-bas. Ah, oh, j'avais pas vu qu'ils étaient là-bas. Ouais. Hop là. Merde, j'ai loupé. Allez, cadeau. Non. Ah bah voilà, j'ai débloqué la planque. Ça fait plaisir. Ouch. Ah bah il y a le chauffage central dans la planque maintenant. Ah. Il y a ça. Là, 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 là. Il faudrait que j'aille dans une armurerie, moi. C'est pas tout de faire l'idiot. Ça a dû bien changer ta partie niveau environnement. J'ai pas rejoué depuis, tu sais, que c'était là. J'ai pas rejoué, mais aussi hors antenne. Hein. J'ai pas rejoué. Mais soyez certains que je redémarrerai une partie dès que le jeu sera officiellement sorti. Parce qu'il est en développement. Je crois qu'ils sont à peine 2-3, dont 2 Français, à bosser dessus, à le développer. Et et dès qu'il y aura la version 1.0 qui sortira, bah, je planifierai sur mon antenne le fait de redémarrer une partie de zéro, peut-être en difficulté max, parce que le jeu le mérite. Vraiment faire simulateur de survie sur milieu extraterrestre hostile. Et ça va être des épisodes récurrents sur un assez long terme. Parce que vous avez vu la lenteur, ça a son charme, moi j'adore. Du terraformatage, il y en a pour des heures et des heures et des heures de... Alors, Dragon Sky, tu dis, je viens d'ouvrir mon propre serveur Minecraft totalement gratuit. Oui, t'avais montré, oui, tu m'avais passé l'info, c'est bien. Place limitée, plus d'infos en MP. Ouais, c'est bien. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est mon temps de jeu. Je pense, sans offense Dragon Sky, que je viendrai pas pour y construire, éventuellement peut-être symboliquement, une baraque. Mais je viendrai peut-être, si tu le souhaites, tu l'acceptes, te rendre visite sur ton serveur quand il aura bien avancé. Et je diffuserai, si tu l'acceptes, sur mon antenne, pour faire la promotion de ton serveur. L'idée d'être touriste chez quelqu'un, ça me plaît aussi. Parce que sinon, il faudrait que je passe ma vie à jouer, donc... C'est... Ouh, très particulier. Oula, il est dans une posture, le mec, quand je l'ai abattu. Oula là, oh, la posture du gars. Bon, bref. Objectif, objectif, objectif... Mmh. Oh, dans l'oasis, pariez combien qu'il y a des diamants dans l'oasis? Visiblement, il y aurait du monde. Attendez voir. On va rouler en lisière de désert, là. Bordure du désert. Oh, l'oasis, il y a forcément du diamant, enfin, je pense.
Mais le fait que ce soit encadré, c'est que ça doit être un endroit de mission. Et il doit y avoir des mecs en faction. Je pense qu'il y a du monde là-bas. Non ? Il y a personne ? Oula ! Oh, sympa ! Joli, bel endroit. Pas de diamant ? Ah, si, il y a du diamant. Il y a du diamant quelque part. Oh, il y a des grottes, eh oh ! Oula ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Eh, pour une planque, elle est sans sas. Mais c'est bien, Dragon Sky. D'ailleurs, je serai toi. Programme ton Wisebot Dragon Sky pour que tu diffuses l'adresse de ton serveur Minecraft. Pour, tu sais, attirer des gens à venir jouer avec toi. Quand il y a du monde qui te rend visite. Tu fais une commande Minecraft comme moi, tu sais. Enfin, moi, oui, si, j'ai fait... J'ai... Ah, comment ça s'appelle ? L'émoticône du Creeper. C'est le triple S majuscule, triple S minuscule. Et fais quelque chose de similaire sur ta chaîne avec Wisebot Dragon Sky. Ça va te rendre de fiers services pour attirer du monde. Que tu puisses t'entourer d'une nouvelle communauté, mais qui soit pro-minecraftienne. Ça fait carte postale. Ah oui, il est mal, là. Oula, il est mal, là. Prends tes médocs. Prends tes médocs. Oula, il fait une crise, là. Oh ! Cette chute ! Cette chute de fou ! Ouais, là, il était vraiment dans le mal, là. Waouh. Là, c'était une grave crise. Il tient même plus debout. Comment qu'il est tombé comme un caca avec la malaria ? C'était trop bizarre. J'ai adoré le... Ah ! Oui, non, Bastos, en fait, là où tu t'interroges au niveau de FanFan, il disait que... Il invitait Dragon Sky à nous rejoindre cet après-midi dans le Worms Armageddon. Et... Mais comme il gère son déménagement au Dragon Sky, il sera pas là cet après-midi. Donc, manque de bol. Je peux agrandir davantage le nombre de personnes. Oh, non, mais c'est bien. Alors, je... Quand j'aurai l'occasion, j'étudierai le modèle économique du serveur sur lequel tu te bases. Parce que l'idée d'avoir un serveur Minecraft gratos, il y a forcément une entourloupe quelque part. Faut bien qu'il se rémunère. Donc, il doit y avoir quelque chose. Mais je verrai ça plus tard. Mais si toi, tu trouves ton compte Dragon Sky, c'est très bien. C'est très très bien. Oui, tu te demandais encore toujours l'intervention de FanFan, ouais. Ouais. Oui, alors, j'ai toujours pas trouvé les diamants, moi. C'est pas tout de faire un malaise de la malaria dans l'oasis, mais... Ah merde, je suis plus dans la bonne zone. Alors, c'est du côté du rocher. Faut peut-être monter sur le rocher pour avoir accès aux diamants. Où sont les diamants ? Oula... Ah non, mais là, là-bas, c'est la mort, là. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Notre mercenaire va faire un malaise. Donc, il y a ça. Il y a la gogrotte. La gougou, agragra, la gogrotte. Attends, attends. Bah. Mince, ça clignote plus. Ah. Bah, ça clignotait. Oh. Là ? Non. Attends. Il y a un truc par là-bas. Ici ? Tiens. Étrange. Ah ! Moi qui m'attendais à avoir la mallette perchée, non, elle était posée sur le sable. Bon, bah c'est bien. Oh, Rhododendron. Oh la vache.
Ah, attends, c'est un marécage dont le bruit n'est pas. Ça fait pouic pouic pouic. Ça fait pouic pouic pouic. La 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 la. Ah, je suis en train de m'enliser avec la Jeep. Ah. Oh oh, il y a des rochers. Attends. Ta ya ya ba 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 ba. Me tape l'arbre, évidemment. Alors attends, c'est... Ah oui, non, mais dans l'oasis, je verrai rien de la carte. Là. Attends, je me barre de l'oasis. Très content d'avoir gagné du diamant. On va peut-être aller dans une armurerie, tiens. C'est peut-être un bon objectif. C'est pas comme s'il n'y en avait pas dans ma zone. Merde. Il y a encore une planque à déverrouiller. Bon, on va y aller, dis-donc. Attends, je vais essayer de passer par là. Enfin, si je peux. Vous allez voir que je vais perdre bêtement mon véhicule. Non, il n'y a pas de diamant par ici. Ça a de la gueule. On sera presque dans une course de... Il y a une belle course comme ça de rallye de... dans Tocat 2, je crois. Avec des... un relief escarpé et... Wow. Ah. Là, il y a des villes. Ils sont où les vilains? Moi, je dis, il y a des vilains. Ouais. Il y a des déchets, surtout. Ah. Ah bah non, c'est la planque de tout à l'heure. Je l'avais déverrouillée, non? Ou je me trompe? Mais non, je l'avais déverrouillée. Oh. Mais je suis mauvais. Je tourne en rond comme un ego. Bonjour Aeroster, comment que ça va? Alors, pas sûr, mais avec un peu de chance Aeroster, je te fais un relais de chaîne tout à l'heure quand tu prendras ton antenne à 14h avec FunFan. Mais si la faim me rattrape, ce sera peut-être pas le cas. Enfin, l'essentiel c'est que t'ailles bien Aeroster. Ouais, si mon bite crie famine. Oh, les oiseaux. Je suis sûr que je peux en abattre. Non, allez, je ferai ça une autre fois, mais... Quand je serai plein aux as vers la fin du jeu, en duel contre le chacal, et que j'aurai vraiment toutes les armes déverrouillées, que voilà, je me ferai des délires comme ça de faire la chasse aux oiseaux. Je vais transformer le jeu en safari. Alors, je peux déverrouiller deux postes de garde et il y a une planque, il y a le village de Mokuba. Mais j'aimerais bien... Ah, il y a une armurerie pas trop loin. Alors, je vais déverrouiller le poste extérieur de garde et on va monter vers l'armurerie. Parce que là, je pense que j'ai quelques diamants pour m'offrir un beau joujou. Oh merde. C'est... En oubliant le relief aussi. Waouh. Et oh, et je le place où mon véhicule, moi? Ah, la route est là. Voilà, là je me sens mieux. Alors, il y a un poste de garde à dégommer pas loin. Oh là! Je les voyais pas si proches, les Mickey. Non, ils m'ont pas vu! Ah non, ils m'ont pas vu. Ah merde! Ah merde! Merde, ok, on passe. Attends, je vais me soigner. Aïe, je peux pas. Oh. Puis j'ai plus de lance-flamme. C'est dommage. Il est où? Ah merde. Évidemment, faut que je l'agresse en quick.
Non, attends. Ah, vite. Mais bah oui, forcément. Si je suis pas dans le rythme, ça va pas le faire. Va falloir être très rapide. J'ai vraiment sauvegardé un moment critique. Hop. Allez! L'animation est trop lente. Ah, presque. Presque. Violence. Ouais, ça va bien. On va bien, Hirster, merci. C'est cool, t'ailles bien aussi. C'est cool. Ah bon, attends, on va faire différemment. Ah, mais non, mais oui, mais forcément, il est coincé. Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Bon, je l'ai eu ou pas? Ah non, je l'ai pas eu. Ah, il m'a eu! Oh là là, il est trop fort! Il est trop fort. Non, je peux pas valider avec mon... Ah merde, ah oui, mais oui, je suis bête, j'ai la souris. Je m'avance vers mon vrai clavier, mais j'ai la souris pour valider. Suis-je bête? Allez, à la mitraillette, je peux le faire. Voilà. Merde, il y a les autres qui sont là. Ça craint. Oh là là! Ah, mais je suis un homme mort là, c'est pas possible! Violence! Violence! Oh, mais ah oui, c'est vrai qu'évidemment c'est drôle quand il fait son coincé. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et les autres de l'autre côté. Allez, je peux le faire. Sauvegarde, je suis fou. Je suis fou. Je suis fou. Je les aurai. Je sais que je les aurai. En plus, le fait de prendre les mitrailleuses incorporées au Jeep, j'économise mes balles. Non, il y a un snipe. Je me fais dégommer par un snipe. Il faudrait que je tire sur le snipe avant. Mais je l'ai pas repéré. Où est le snipe? Ah bah. Direct. Ah ouais. J'aurais peut-être pas dû faire l'animation de monter dans la Jeep. Ça craint. Ouais, laisse-toi. Ouais, non, ça va pas. Ça va pas. Là, je suis dans une très mauvaise posture. Va falloir que je réfléchisse de manière différente. Barre-toi, soigne-toi, baisse-toi, rocher. Voilà. Là, je peux sauvegarder. Ouais. Vache, il a une arme d'une qualité, lui. Merde, je peux pas. Évidemment, un sniper ne peut pas courir façon Terminator avec son arme. J'ai pas le bon flingue. Ah, bon, j'ai amélioré ma situation, mais je suis encore dans le pétrin. Merde, je l'ai paumé. Tu m'étonnes. Où tu l'as vu la dernière fois? Par là. La méthode Rambo est pas valable. J'aime bien qu'on dise ça. Vous croyez que je peux me faire oublier? Ce serait énorme quand même.
Quelque chose ? Oh. Si j'arrive à les feinter et me barrer dans la cambrousse, c'est violent quand même. C'est beau ! Oh, ce paysage. Magnifique. On reconnaît la signature des Far Cry. C'est beau, c'est beau. Ouais. Je vais m'y prendre différemment. Hop là. Non, je crois que c'était... Et du coup, ouais, les véhicules qui sont en train de cramer sont là-bas. Enfin, cramer. Je sais pas où passer l'autre. Lui, il est là, en vigie. Il s'attend pas à ce que je sois déjà là. Ah, bien, il m'a vu. Tu sais pourquoi ? Parce que je suis dans ton cheval. Sors de là et viens me battre. Oh, j'ai une mouche dans le jeu. Je sais que t'es la connard. Montre-toi. Bon, j'ai... Non, j'ai pas de grenade. Dommage. Malin, lui. Enfin, jusqu'à un certain point. Bon, bah je crois qu'ils étaient plus que deux. Pénu. Ah non, trois. Est-ce qu'il y a des patrouilles qui se pointent? Là, ça fera barrage. Ça fera barrage, les petits pneus. On va les inviter à ralentir. Alors... Mais pourquoi il me dit que j'ai une télécommande? J'aurais laissé un explosif et Attends, je vais tester, je suis intrigué. Non, c'est bloqué. Ah, c'est peut-être parce que j'ai tout simplement plus d'explosif. C'est peut-être ça, mon pépin. Ah, il est pas mort! Faut que je l'achève, le mec. C'est horrible. Alors la suite. Oh, j'ai une planque à déverrouiller, ça m'intéresse. Ça m'intéresse la planque à déverrouiller. Moi, apprendre à bien conduire. Ah oui, il y a une pente vers là-bas. Je vais mettre le véhicule là près du panneau. Ah, il y a un diamant proche en plus. Ah bah c'est la totale. Laisse-moi deviner, le diamant est par là-bas, non? Ah bon? Bah, où est le diamant? Ah! Dans cette formation rocheuse. Oh! Il y avait un Pokémon. Ah oui. Oh! Vache. Ah, cool! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non. La planque est par là-bas. Elle est où la planque ?
Ah. C'est le chemin là. Non, sérieux? Attends. Ah oui, sérieux. Ouais. La vache. Alors ça, pour être planqué, on est planqué. Comme ça qu'on fait. Oh, ils ont pas de pharmacie? Ashi, Bonanga. Ah si, ils ont une pharmacie. S'il vous plaît. Merci. Attends. Il y a un autre gars, il m'a pas dit que la planque était déverrouillée. Bah, j'ai eu deux mecs, ça suffit pas? Il y en a un troisième? Il est où? Bah, je devrais pouvoir revendiquer la planque. Là, il y a un buggy rigolo tout rose. Il est pas dans la planque quand même, le gars, si. Bon, bah, je vais y entrer, on va voir. Bah non, je peux pas. Bah, il est où le clampin qui me reste à trucider? Alors là, je comprends plus. C'est quoi ce délire? Mais non, mais... Bah... Il doit y avoir un vigile un peu en contrebas que j'ai dû louper. Attends, il n'y a rien là? Parce que c'est pas mal pour un sniper de s'installer ici. Alors là, je comprends pas. Là, avant-dernier RE5. Ouais, bah ouais. Bah au moins le jeu, vous l'aurez rincé. Bon, bah je suis embêté pour la planque parce que je peux pas la réquisitionner, mais je sais pas pourquoi. C'est vraiment dommage. Doit y avoir un complaint, vraiment un mec qui vigile quelque part. Attends, y a pas de diamant dans toute cette jungle? Bizarre. Bon, je vais reprendre ma bagnole parce que à pied c'est sympa niveau paysage, mais ça va pas assez vite. Le mec, c'est pas Usain Bolt. Oh, c'est dommage pour la planque qui est pas. Je comprends pas qu'il ne l'ait pas accepté. Il devait y avoir un troisième vigile perdu, je sais pas où. Alors attention, il y a du bâti, donc il y a sûrement des ennemis. Allez, je suis fou, je passe en pompe. Oh, mais c'est une armurerie. Oh, je pensais pas être si proche de l'armurerie, dis donc.
Ah bah ça, pour une surprise, c'en est une. Ah, il n'y a pas le vendeur. Tiens, tiens. Oui, j'aime les feux d'artifice. Et on va en faire de plus en plus. C'est ça qui est beau. Alors, 22 diamants. Oh, MP5 à silencieux. Putain, c'est vicieux, ça. Oh, le super Dragunov. Oh, il y a d'autres trucs de snipe. Le SS50. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je m'achète le super Dragunov. C'est tentant, hein. Je vais aller à la chasse aux diamants. Parce que là, me payer le niveau intermédiaire du fusil de snipe, c'est... c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, on sauvegarde là, c'est toujours ça de prix. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être couper mon enregistrement Wisebot. YouTube, pour faire deux vidéos distinctes. Attendez. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, Windows? Bah alors? Je le fais planter, là, ou quoi? Arrêtez enregistrement... Voilà.